Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer nous. Bienvenue à l'édition Nouvelle Zar. Mais quelques points n'a pas gagné pour nous développer pendant le journal là. Président de la commission spéciale, la soirée amendement constitution, Jerry Tardieu, dit reconnaître la situation de l'homme dans le pays d'Haïti fragile en pile à cause de la population à quatre besoins pour bénéficier de l'eau qui n'est pas respectée. Centre analyse et recherche dans droit monde clôturé hier mercredi à première édition salon droit monde dans baptême en droit population yo yo décidé pour tête yo. Office national assurance vieillesse ONA lancé officiellement mercredi programme crédit ONA femme là dans département l'ouest pays d'Haïti gagné 1800 femmes cap commencer bénéficier des projets ça. Première dame République Lamartine Joseph Moïse encouragé machin yo respecter engagement yo avec l'ONA pour permettre un projet à réussir. Mesdames et messieurs, restez branchés Télé Pacifique, Tsawa en pilote pour le développer tout de suite. En général, mon père me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'agent assurance te doué dans le budget ou à côté de l'agent kayak, l'agent manger. Il est là pour les deux travers son mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ou à comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Il y a assurance de ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flèrent à saison, a fait comme si ou pas de gens connaissent. Une assurance après ta vie au bout du jour, continuez à vivre la vie, quittez ce cours-là, non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement journal. L'agent a annoncé l'entité qui a un centre d'analyse et recherche dans le droit monde qui est clôturé hier mercredi à la première édition salon droit monde, le thème de la population pour décider peut-être une activité pour faciliter réflexion sur la situation droit monde dans le pays d'Haïti qui a fait expérience démocratique depuis environ 30 l'année. C'était occasion pour évaluer tout travail, organisation qui a travaillé dans le domaine droit monde dans le pays d'Haïti. N'a pas gagné pour nous suivre la déclaration Gédéon Jean qui lui-même c'est responsable à CARD. En termes de substance, son espace de réflexion, côté qu'à partir de yon approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs experts qui sont intervenus pour être capables d'essayer d'aborder la question des droits de l'homme à partir d'une perspective macro, à partir d'une approche holistique. Mais et cette première édition l'inscrit dans le cadre de 30 ans de transition démocratie. Autrement dit, après 30 ans que nous avons construit la démocratie, je veux dire, est-ce qu'effectivement nous construisons une société côté que doit tout le monde garantir? En société côté que par indiscrimination, en société côté que chacun est capable de sentir au bien, c'est le contraire. Donc à travers ce salon, nous essayer permettre que nous tenter, nous essayer comprendre la transition démocratique là et au regard de à partir d'une approche fondée sur les droits de l'homme. Autrement dit, comment être capable de réorienter la question construction démocratie état de droit en Haïti à partir d'une approche fondée sur les droits de l'homme, c'est-à-dire de nouvelles politiques publiques qui axent sur le respect de l'être humain. La question que l'on se pose, par la question principale, est-ce que nous continuons avec une société côté que nous gagnons autant de discrimination, une société côté que grande majorité de la population vive sous la dictature de la pauvreté, ou bien une société côté que qui garantit des droits pour tout le monde? C'est ça la question, je tiens. Assistante programme dans le réseau national à Cap Défendre Droit Monde RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a profité de parler. Sous défi organisation sa yo a fait face d'après responsable là estrict sa yo pas gagné moyen et puis rapport yo autorité yo pas facilité travail défenseur droit moun yo dans pays d'Haïti en suivant déclaration. Ouais, par exemple, premier défi hein, c'est l'incapacité des organisations à garder leur ligne en raison du financement. Et c'est pas pour rien que nous mettons comme premier défi parce que comme nous connaissons l'organisation droit moun de manière générale, c'est pas des organisations qui après profit, et par conséquent, c'est des organisations qui tout le temps besoin d'aller auprès de partenaires financiers à l'aider moyen de l'OCA fonctionner. Et malheureusement, et aussi par rapport à mouvement international, par rapport à Journée Jodi à Kijan International contre la question de l'OAMOUNA, et bien souvent il y a des organisations qui se voient obligées soit de remanier, pour le dire, les projets, des actions, des propositions, justement parce que le partenaire financier lui-même a gagné des idées dans des pays que l'État lui-même, au moins que l'IWEP pour trouver non et action.
Et puis, certainement, comme on l'a dit tout à l'heure, on était en train de parler, mes collègues et moi, il y a aussi un défi qui est très grand, c'est que la militance a changé. Aujourd'hui, la militance est beaucoup plus, nous t'avons que c'est comme une opportunité d'arriver vite, d'arriver loin. Merci. Dans le même dossier, ça a gagné un président de commission spéciale à son amendement constitution, Jerry Tardieu, qui n'a pas participé dans la cérémonie, qui dit qu'il reconnaît la situation de droit monde dans le pays d'Haïti fragile en pile à cause de la population qui n'est pas satisfait, premier besoin lié, qui n'est pas respecté, parlementaire fait qu'on est. Situation ça pas possible dans une société démocratique qui a pas d'insister sur nécessité pour capable gagner par ces mains qui fait dans la constitution une façon pour capable faciliter toute droit population respecter en suivant déclaration de l'amico Mario Sylvain AKK juste Ville-Nord. On parle de respect droit monde et ou violer droit au monde lol pas gain possibilité pour manger ou violer droit au monde elle pas gain possibilité pour aller à l'école ou violer droit au monde elle pas gain possibilité pour aller au travail. Donc ça veut dire vous imaginez combien fois chaque jour que violer droit monde en Haïti. Donc concept droit de l'homme là son concept pour garder très très large et ambition nous rêve nous ça pour nous faire nous même comme société c'est garder comment droits humains nous ca respecter dans globalité. Ça veut dire c'est pas seulement droit de l'homme dans question affaire politique mettre prisonnier politique ba moun coup de bâton pour être capable dire opinion politique. Non, faut nous garder le très très large, faut nous garder question droits humains dans la dignité que nous devons retourner au peuple haïtien dans sa majorité qui vivent dans mal cité qui mal vivre. Que si nous réalisons que la Constitution a une bonne provision, le problème est situé surtout au niveau légal. Et au niveau légal, ça veut dire que c'est dans la loi, c'est dans la justice, c'est dans l'application de la justice, sans passe pour qui, sans force côté. C'est pour ça que nous-mêmes, nous toujours demandé pour que la justice haïtienne reprenne compte de tête, parce que nous n'avons pas un pays moderne, nous n'avons pas un progrès, nous n'avons pas un développement, sans nous n'avons pas justice qui est bien rampée. L'autre nouvelle, responsable de la police nationale dans le pays d'Haïti déclaré qu'il a mobilisé contre la question de violence qu'a faite sous forme actifie en dans le pays. Dans ce sens, le directeur de l'école de la police, la Français Namouro, a organisé mercredi un atelier réflexion dans le local institution sur route frais pour participants. Yo promet pour yo capable travail plus toujours pour combattre les affaires de violence sous forme en dans le pays d'Haïti. Français Namouro, tenamiko Jean-Maxon Dorsey à Carigonuel. Lancé aujourd'hui au niveau de académie pour promouvoir la réflexion sur une meilleure approche de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Parce que nous connaissons que la police nationale comme premier répondant, comme entité qui est placée dans la société qui est pour et bataille contre toute forme de violence et de criminalité, nous avons une obligation pour nous porter et accompagnement, nous bail tout le monde dans la société qui est victime de violence et particulièrement monde qui fait partie de catégorie qui est plus vulnérable, qui c'est femme avec tifi. Donc nous-mêmes avons formé des cadres intermédiaires comme inspecteur de police et des cadres supérieurs qui sont des commissaires de police. Donc son problématique qui intéresse nous en pile dans tout curriculum la formation nous ici à nous gagner question genre là qui prend en considération équité femme homme politique contre le harcèlement. Donc activité aujourd'hui c'est pour sensibiliser davantage et les commissaires de police, les inspecteurs de police et les d'autres acteurs de la société civile qui travaillent ensemble pour nous capables de conjuguer pour nous et apporter une meilleure réponse avec le phénomène de violence qui est tourné une véritable pierre d'achoppement ou handicap majeur pour le développement du pays. Parce que la violence a fait sous femmes, sous tout le monde qui reproduit dans la société en général, qui vient dans un environnement qui est foncièrement violent. Et côté nous, ouais, que la violence, ça li empêcher en pile l'autre bagaille fait dans pays à quand pour ta gagner un climat serein un climat sécuritaire qui capable propice avec développement économique développement social développement dans toute forme ni en dans société. De l'autre côté, directeur de l'école de la police l'a estimé l'important pour renforcer stricte capacité contre la question de violence à sous forme actifi dans le pays d'Haïti. D'après inspecteur Moreau, Demassa, capable de contribuer à baisser particulièrement viol qu'a fait dans la société haïtienne en suivant déclaration. La direction générale de police, l'Académie de police, a plus que jamais engagé dans la lutte contre la violence sous toute forme et particulièrement violence qu'a fait sous forme avec tifi dans la société noire qui a besoin en pile et accompagnement pour capable dépasser niveau ça parce que nous connaissons, nous avons évolué nos sociétés côté que culturellement nous avons ascendance machiste côté que garçon pensait que c'est eux-mêmes qui a fait toute bagaille côté que ti fille femme généralement yo victime c'est pas parce que c'est pas pour quelle autre raison mais c'est
pour la simple et bonne raison que ces femmes et ces filles qui sont victimes d'une série de violences et que la société n'a pas offert yo, et de manière équitable opportunité pour être capable d'évoluer et réussir dans la société, même avec tout le monde dans la société. Tout le monde qui a subi violence dans le foyer, yo, dans le milieu de travail, yo, mais le mécanisme qui est en place, yo, pas favoriser ok moun sa yo pour aller pour porter plainte pour déclarer violence sa yo contre moun qui c'est agresseur sa yo. Donc nous même nous prenons compte seulement cas qui rapporte à nous même. Donc c'est une façon tout nous inviter en pile l'autre monde dans la société civile là pour mobiliser yo de manière à ce que conjointement avec la police yo ka mettre en place des structures, des mécanismes qui va faciliter moun yo rapporter violence yo et permettre à la police d'intervenir sous violence sérieuse et pour nous traiter violence sérieuse de manière à ce que nous empêcher avec agresseur de continuer à perpétuer violence sur les filles avec femmes dans la société. Dossier à société, Office national assurance vieillesse ONA lancé officiellement mercredi. Programme à crédit ONA Femme dans le département de l'Ouest pays d'Haïti, gagné environ 1800 femmes capables d'évoluer dans plusieurs filières qui a pas recevoir pour pépitier yon crédit 25 000 goud avec un pourcentage à 1% intérêt pour 12 mois d'après le directeur général ONA Chesnel Pierre. Demassa capable de permettre une richesse qui créé dans le pays. Déclaration dans le micro Jean-Maxon Dorsey à Carrie Gonwell. ONA gagné deux vocations. Première vocation, c'est une institution bancaire, il a posé prêt pour prêter mon argent. Mais deuxième vocation, l'ONA, c'est gagner un volet de sécurité sociale. C'est pour travail, pour nous joindre, mon kibibay, pour nous descendre, j'en concrète la vie, pour nous arriver à terre, à jean mon kibibay. Et c'est ainsi que l'équipe l'ONA a pensé. Nous voyons même le gagner business femme dans ONA PAM. Business femme, c'est un produit qui visait gros machin bio, capable de prêter plusieurs millions. Mais qu'est l'autre petit machin, Madame Sarah, qui n'est pas capable d'arriver dans le niveau million. Vous dépensez venir avec un produit qui est ONA PAM, pas seulement prêter médaille. 25 000 euros et à 1% le mois, mais c'est permettre pour vous venir automatiquement des assurés de l'ONU. Gagné un première dame République là Martine Joseph Moïse qui t'a participé dans activité ça qui bat gros bravo pour initiative là madame Moïse encourager marchand yo respecter engagement yo ak institution pour permettre un programme ça réussi en suivant déclaration. C'est une façon pour renouveler l'engagement dans le travail chaque jour plus contre discrimination et pour une liberté d'intégration femme dans la société. Et une façon pour arriver à faire ça, c'est d'aider les femmes à arriver à jouer l'autonomie économique, pour prendre soin de la famille et pour arriver à vivre dans le respect et la dignité. Depuis une femme qui est propre, toute famille est riche. Malgré la situation, pas facile du tout, faut mieux pas jamais suspendre jouer un rôle important dans l'équilibre familial, qui se base sur une société solide, équilibrée et moderne. Femme, c'est moteur économique, pièce moune, pas qu'à 10 qui donc, car le développement, sa participation. Mesdames, vous représentez plus que 52% de la population. Il faut davantage de intégrer dans tout secteur d'activité dans le pays pour capable de jouer un rôle et permettre à Haïti de grandir et monter tout bon vrai sur l'aide développement durable. C'est peut-être ça qui est le projet pour la femme qui est entré dans le département ouest, le département qui est privé dans le pays, aller dans ce sens. Mesdames, nous mettons compter sur moi pour nous faire l'avancée plus. Et continuer de plaider pour votre président pour une plus politique publique qui permette l'intégration familiale, surtout en dans l'économie pays. Pour combattre bien l'exclusion et la discrimination, nous avons chaque jour. Nous avons compté sur nous pour nous payer dans la date qui est dit pour nous payer, pour permettre que plus de femmes bénéficient de avantages. Merci parce que nous décidons de faire confiance.
Mesdames, messieurs, c'est là que nous mettons dans le journal pour aujourd'hui. Merci à vous même qui êtes branché à Télévision Pacifique, à mon invité sur chaîne 54 pour pouvoir suivre la programmation.